بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وشرف وكرم وبارك وعظم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 للهجرة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا حيث قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. L'auteur, rahimahullah ta'ala, Abu Ja'far al-Tahawi, décédé en l'an 321 de l'Hégire, nous dit: la vision d'Allah est une réalité pour les gens du paradis, sans englobement ni comment, tout comme le livre de notre Seigneur l'a formulé. Des visages ce jour-là resplendissants, leur Seigneur regardant. Des visages regardant leur Seigneur. والجهة الرؤية حق يعني ثابتة لأهل الجنة لكن بغير إحاطة ولا كيفية. الله تعالى يرى في الآخرة بعين رؤوس المؤمنين من غير إحاطة، من غير أن يكون للمرء جوانب وحدود، فإن الله تعالى ليس له حد ولا جانب. الله تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود ولا كيفية من مقابلة وجهة وثبوت مسافة بين الرأي والمرء. هذا لا يحصل، هذا كله في رؤية الأجسام، فإن الله تعالى ليس بجسم فلا يرى كما ترى الأجسام. والله تعالى ليس بحادث فليست رؤيته كرؤية الحوادث. La vision d'Allah par les croyants, par les gens du paradis, est une réalité. C'est une haqq, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'elle est confirmée. Ceci est un fait avéré. Elle aura lieu sans englobement ni comment. Sans englobement, sans que la vision des croyants englobe l'être de Allah, l'être exempt de ressemblant, l'être exempt de côté, de direction, d'angle et de circonférence. Sans englobement, sans que la vision, ni même la compréhension, ni même l'imagination des créatures ne puissent encercler ou englober leur Seigneur, Subhana, ni comment, c'est-à-dire sans attribut de la création. Al-kayfiyyatu kullu sifatin tattasifu biha al-makhluqat. La kaifiyya, le comment, c'est tout attribut par lequel s'attribue la créature. C'est tout attribut qui est attribué à la créature. Allah Ta'ala n'est pas cerné par la direction, comme on l'a dit. Il n'y a pas non plus de confirmation, ni d'illusion, ni de quoi que ce soit, de distance entre l'être qui est vu et celui qui voit. Il n'y a pas de séparation, ni de volume, ni d'air, ni d'espace qui sépare le croyant de son Seigneur. Son Seigneur n'est pas contenu dans un endroit, alors que le croyant, lui, sera dans un endroit et verra son Seigneur des yeux de sa tête. لِأَنَّ هَذَا كُلُّهُ فِي رُؤْيَةِ الْأَجْسَامِ. Car en effet, toutes ces choses-là, le fait de voir quelque chose dans un endroit, cerné dans une direction, englobé par une circonférence, tout cela concerne les corps, tout cela concerne les substances. Or, Allah Ta'ala n'est ni un corps, ni une substance. Il n'est donc pas vu comme sont vus les corps et les substances. Allah Ta'ala n'est pas quelque chose qui a un début. Sa vision, la vision de Allah par les croyants, n'est donc pas comme la vision des choses qui ont un début. Allah n'a pas de début, sa vision n'est donc pas comme la vision des choses qui ont un début. Subhana. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ فَيَصِحُّ أَن يُرَى. Allah est existant, il est donc valable qu'il soit vu.
فكما أنه سبحانه وتعالى الآن لا تدركه التخيلات ولا الأفهام ولا الأفكار، فكذلك لن تبلغ الله تعالى الأفهام ولا التخيلات ولا الأفكار ولو عند رؤية أهل الجنة له، لأن الله تعالى سبحانه ليس كمثله شيء، وإذ أنه ليس كمثله شيء لا يصح ولا يمكن لأحد إدراكه في تخيله وتصوره. الله ليس مصورا بل إنما هو المصور، وليس مخيلا بل إنما هو خالق الخيالات. La vision d'Allah est une réalité pour les gens du paradis, sans englobement ni comment. Les imaginations et les conceptions et les pensées n'atteignent pas la réalité de Allah Ta'ala. Les imaginations ne cernent pas Allah et ne peuvent l'atteindre. Ceci actuellement, tout comme dans l'au-delà. Allah Ta'ala, même lorsque les gens du paradis le verront, ils seront incapables et il restera impossible rationnellement qu'ils puissent l'imaginer. Subhanah. Car Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. Et il est celui qui crée les imaginations. Et il est celui qui donne les images aux choses. Il n'a donc pas d'image et n'a pas d'apparence. Et il n'est pas cerné ni touché par les imaginations des esclaves. Subhanah. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ بِمَعْنًا يَلِيقُ بِمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ لَا غَيْرِ. Allah Ta'ala sera vu dans l'au-delà selon un sens qui convient à ce qui a été rapporté dans le livre et la sunna, et non pas selon autre chose que cela. كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا حَيْثُ قَالَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ يعني مشرفة بهيئة مسرورة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. Tout comme le livre de notre Seigneur l'a formulé. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Des visages ce jour-là resplendissants, c'est-à-dire resplendissants de par l'honneur qui leur a été accordé, et aussi à travers une apparence réellement belle et resplendissante de manière physique. Et ceci tandis qu'elles regardent leur Seigneur. Elles regardent leur Seigneur alors qu'elles sont localisées dans un endroit, ces créatures-là. Leur Seigneur qui lui n'est pas dans un endroit et sur lequel le temps ne s'écoule pas. Subhana. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allahu ta'ala wa alima. Et le tafsir de cette parole-là, l'explication de ce verset, eh bien, il correspond au sens que Allah a voulu et a su. Il sait la signification de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.